Kölsch, on s'échauffe pour commencer. On va venir pointer devant. Un pied après l'autre, super. Rajoute la main opposée. Et on pointe sur les côtés. Les deux mains devant et talon, talon. Devant, devant, avec le bras opposé. Dernier point de côté. La même chose de l'autre côté. L'autre jambe en appui. La jambe tendue derrière. On bascule, on maintient. Et petit battement. Et on relâche, on marche. Les bras vers le haut, on monte un genou après l'autre.
On va rajouter petit
Et on relâche. Super. Vive un tout. On va pouvoir passer au sol. On essaie de garder les hanches au-dessus du genou.
Jamais le dos.
fais une jolie bascule. Et on vient tendre nos jambes. Gauche au sol, posez le pied droit sur le genou gauche et attrapez derrière votre genou gauche. L'idéal, c'est de ne pas passer la main sur l'extérieur, mais bien à l'intérieur de votre genou. Et maintenant,
La jambe droite passe par-dessus la jambe gauche. Le bras gauche attrape le genou droit et tournez-vous à droite. Grandissez-vous bien. Repassez au centre. La jambe s'étend devant. Cette fois, c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite. Bras gauche qui attrape la jambe droite. Et on se tourne vers la droite. Passez sur vos genoux. Jambe droite devant, jambe gauche qui crochète le sol. Poussez sur votre genou. Revenez en position debout. Basculez le poids du corps sur la droite. Attrapez le pied gauche. Le genou d'appui est légèrement fléchi. Et maintenez la position. Basculez le poids du corps sur l'autre jambe et attrapez le pied droit. Relâchez. Bravo à vous, vous allez avoir des cuisses en béton. Allez, à bientôt.